J'ai une sale gueule aujourd'hui, je suis malade, j'ai un orgelet de merde et il fait un temps pourri. Allons-y. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous faire le tag des 15 questions bizarres. J'avais très envie de faire un tag aujourd'hui, donc faites pas attention à ma tête, franchement je suis presque pas maquillée, j'ai juste mis du fond de teint, un coup d'encens et mes sourcils très légers, donc je suis malade, en plus j'ai un orgelet, pourquoi, j'ai envie de dire pourquoi avoir un orgelet, voilà, en plus j'en ai jamais eu, donc je sais même pas comment ça s'attrape, je sais même pas comment ça se soigne, voilà, le gars il découvre, c'est bien, au bout de 19 ans. J'espère que cette vidéo va vous plaire tout de même malgré... ça. Donc on va commencer tout de suite. Alors, première question. Un surnom que seule ta famille te donne. J'en ai pas. Ma famille ne me donne pas de surnom. Il m'appelle Richard. Ou il m'appelle pas. Non, il m'appelle Richard. Et puis après, sinon, mes amis m'appellent Richou. Je pense que vous le savez à force. Question numéro 2. As-tu une habitude étrange? Donc oui, j'ai une habitude étrange, comme tout le monde, je pense. C'est que je suis tout le temps à faire ça. Je me craque tous les doigts. La plupart du temps, je fais ça quand je suis stressé. Sinon, une autre habitude étrange. Je réfléchis. Hein. J'allais dire que je siffle maintenant parce que je ne sais pas siffler. Voilà. Je crie. Genre, des fois, je sors de ma chambre et je pousse un cri. Et puis tout le monde gueule après. Voilà. Des fois, j'aime bien faire ça. Ça met un coup de... Ça booste. Voilà. Ensuite, as-tu une phobie bizarre? J'ai pas spécialement de phobie. Pendant très longtemps, j'ai eu peur du noir. Et je pouvais pas dormir sans voir ma petite lumière ou avoir la porte ouverte. Jusqu'à ce que j'ai 13 ans. Je pense que, ouais, à part que j'ai pu fermer ma porte. Mais une phobie... J'aime pas trop les araignées. Bon, ça, c'est pas... Voilà, c'est pas une super phobie que tout le monde a peur de ça, de toute façon. Donc, après, une... Bah, je suis vite dégoûté par la nourriture en fait. C'est vraiment bizarre, mais voir de la... Je sais pas comment expliquer, mais exemple, il y a quelque chose de sale et que c'est de la nourriture, je peux pas nettoyer, je ne peux pas toucher, je ne peux pas sentir, je peux pas... Je sais pas comment vous dire, une nourriture propre que je vais manger, qui est bien, je m'en fous, mais quelque chose qui sent mauvais ou qui a rapport à de la nourriture en négatif, je peux pas, ça me dégoûte. Ça, je peux pas. Non. Et ah oui, une autre phobie, vomir. Moi, j'aime pas vomir. Des fois, mais certains qui regarderont cette vidéo sauront. J'ai voulu une fois vomir et je pleurais parce que je voulais pas vomir. Du coup, j'ai quand même pas vomi. Mais je pleure quand j'ai pas envie de vomir. Je suis non, mais je veux pas vomir en pleurant et tout. Je déteste ça. Puis si je suis vomi parce que je suis malade, ben je pleure en vomissant. Ensuite. Une chanson que tu aimes secrètement chanter à tue-tête quand tu es seul. Je chante un peu tout le temps en fait. Je chante toutes les chansons, après secrètement quand je suis seul. Quand je suis seul ou quand je suis avec quelqu'un, je chante. Hein. Bah, la plupart du temps, je chante la dernière chanson que j'ai écoutée. Après, je sais pas. Une chanson que j'aime secrètement. Non, là j'ai pas d'idée, désolé. Question numéro 5, une de tes plus grosses bêtes noires. Ouais, j'ai vraiment des questions bizarres parce que moi je sais pas répondre. En même temps, c'est le tag des 15 questions bizarres, donc ouais. Mais alors là, pour le coup. Bah, les araignées. Ouais, voilà, rien de très. Je l'ai dit avant, mais bon, voilà, les araignées. Voilà. Question numéro 6, une habitude quand tu es nerveux. Je bouge la jambe. Quand je bouge la jambe, je bouge. En fait, je suis super speed déjà à la base. Alors, je bouge encore plus ou bien je suis comme ça, quoi. Le pire, c'est quand je suis couché ou assis. Vous voyez la jambe? Je bouge tout le temps les jambes, c'est pas possible. Je peux pas, j'arrive pas à rester droit ou statique. Je suis toujours obligé de bouger. Et ça, depuis tout petit, je suis toujours quelqu'un de super nerveux, super... ouais, quelqu'un qui est... Qui est très super assuré. Question numéro 7. De quel côté du lit dors-tu?
je dors du côté gauche. Voilà, je dors pas là, je dors là-bas. Ouais, tout le temps. Je sais pas, c'est une habitude. Parce que non, j'aime pas dormir au milieu, je dors toujours à droite. À gauche. Attends, à ma droite. Oui, bon, voilà, par là-bas, côté porte. Ouais, pourtant, je sais pas, parce qu'en fait, si vous voulez, je dors tout le temps avec l'ordinateur à côté, avec le film, parce que je peux pas m'endormir comme ça. J'ai toujours besoin d'un film pour m'endormir, et en même temps, je m'endors devant. Tant comme ça, là, c'est à ma gauche, donc l'ordinateur est toujours là sur le socle, et moi, je suis là, à droite, en train de dormir, voilà. Question numéro 8. Ton premier animal en peluche et son nom. C'était un nounours brun, de ce que je me souviens, après j'ai dû en avoir, hein, mais c'était un nounours brun dont je me souviens. Et je me souviens plus comment je l'avais appelé. C'était un nounours brun, mais pas genre le super nounours super design, c'était vraiment un pauvre nounours, un pauvre ours marron. Mais pas super beau, voilà quoi, mais ouais, je sais pas, mais je me souviens plus son nom. Question numéro 9, quelle boisson commandes-tu chez Starbucks ou McDo? Parce que j'avais pas de Starbucks chez moi, je suis déjà assez triste comme ça, n'en rajoutez pas une couche. Moi, ce que j'avais aimé, bon, c'est une boisson de l'hiver dernier, je crois que c'était un chocolat chaud au caramel et beurre salé, il me semble. Caramel, beurre salé, il me semble que c'était ça. Après sinon, bah, je prends toujours des frappuccinos, et chez McDo, c'est McFlurry. Bon, je parle des glaces parce que bon, sinon voilà, je bois du coca quoi. Mais en glace, c'est McFlurry Kit Kat Caramel. Question numéro 10. Quelle règle de beauté prêches-tu, mais que toi-même tu ne fais jamais? M'hydrater le corps. Je fais ça, je crois que je le fais une fois tous les 3 mois. Quand je fais un gommage, et puis même des fois quand je fais des gommages, je le fais pas. Donc c'est pas bien, faut s'hydrater le corps, c'est important. Mais je n'ai jamais eu la peau sèche nulle part, même au visage ni au corps. Donc oui, c'est vrai que puis je trouve ça long, je colle, c'est... J'essaye de le faire, mais c'est vrai que je le fais très très rarement. Question numéro 11, comment te places-tu dans ta douche? Sous le pommeau. Je sais pas. En fait, il y a le pommeau qui est là, je me mets dos. Je me mets dos au pommeau, je me mets pas en face, parce que j'aime pas l'eau dans la figure, comme ça. Je me mets ben, sous, mais dos quand même, en fait. Là, il y a la douche, je me mets sous le pommeau, mais de dos. Voilà. Quel est ton plat malbouffe préféré, mais que tu aimes manger malgré tout? Tout ce qui est hamburger, cheeseburger. Quelle phrase ou exclamation dis-tu toujours? Moi, ça, vous allez pas dire le contraire. Donc, mais je le fais pas exprès, en plus des fois je coupe et j'essaye de quand je tourne la vidéo de pas le dire, mais c'est un tic, hein, tout le monde en a un, donc moi c'est le donc voilà. Question numéro 14, que portes-tu pour dormir? Pour dormir je porte, bon en hiver là, je porte un sarouel, ouais, vous voyez ce que je veux dire, un truc de jogging, et un t-shirt, et en été je mets juste un débardeur, et un caleçon quand même, hein. Voilà, pas trop. Mais c'est enfin, la dernière question, quelle personne tagues-tu? Donc je ne tague personne en particulier. Ceux qui ont vu cette vidéo, faites cette vidéo, allez-y, vous allez voir, c'est très difficile d'y répondre parce que c'est vraiment des questions bizarres pour le coup. Donc je tague tout le monde, il n'y a pas de souci. Et en particulier, Nicornichon, fais la vidéo. Ça va être horreur, tu vas bien galérer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire en me disant si je suis vraiment bizarre ou pas. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.